Donc, bonjour à tous, bienvenue à votre cours sur la médiane. Donc, pour suivre les cours sur la mesure de la tendance centrale, on avait vu le mode et la moyenne. Maintenant, on va voir la médiane. C'est pas particulièrement compliqué, la médiane. Il y a peut-être juste le dernier exemple qui est un peu plus complexe. Peut-être que lui, vous allez le regarder une couple de fois, mais sinon, là, pas mal toute la vidéo, là, vous allez trouver ça bien facile, je vous le dis. Donc, la médiane, c'est quoi? Probablement que vous l'avez déjà su ou vu au secondaire. Donc, la médiane qu'on note. Je reprends mon crayon, ça va aller mieux. Qu'on note MED, c'est la valeur qui partage une série de données en deux groupes égaux. Donc, chacun comprend le même nombre de données. Donc, grosso modo, là, si on résume ça dans d'autres mots, c'est la donnée qui est en plein milieu. Donc, la médiane, c'est quand c'est la donnée qui sépare votre groupe en deux parties égales. Bien entendu, il faut que vos données soient ordonnées, donc du plus petit au plus grand, sinon ça ne fait pas vraiment de sens. On va faire un exemple. Puis après, je vais donner un exemple où est-ce que les médianes, ça peut être utilisé comme mesure de tendance centrale. Donc, l'exemple classique, c'est avec de l'argent. Donc, par exemple, j'ai 9 employés ici de ma PME et je lui demande de trouver la médiane. Donc, ici, j'ai mes salaires. Premièrement, quand on veut trouver la médiane, on met les salaires en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Je l'ai déjà fait pour vous autres parce que, sincèrement, mettre des nombres en ordre croissant, je suis certain que vous êtes capable de faire ça. Donc, je les ai écrits, j'ai juste écrit les milliers. Donc, 37 000, 43 000, 45 000. Et la donnée qui est au milieu, c'est ça la médiane. Donc, si j'ai 9 données, si je sépare en paquets égaux, 4 de ce côté-ci, 4 de ce côté-là, et la médiane, c'est ce qui se trouve en plein milieu. Donc, le salaire médian, dans ce cas-ci, il serait de 51 000 $. Donc, le salaire médian, il est de 51 200 $. Et l'interprétation de ça, le médiane, comment on peut l'interpréter? Parce que je vous demande dans la question de l'interpréter. Ça, c'est simplement ben, 50% des employés gagnent moins que 51 200 $. Donc, c'est juste de dire que la moitié des gens gagnent moins que ça. On pourrait changer le moins, là, si vous mettez à la place du moins, si vous mettez un plus. Oui, c'est la même cochonnerie. C'est juste de l'autre bord, là. C'est la même affaire que le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, là, si vous êtes pessimiste ou optimiste. C'est la même logique ici qui s'applique. Dans quelles circonstances on peut utiliser la médiane pour que ce soit une donnée qui est utile? Mais ce qu'on dit à la médiane, c'est que ce n'est pas affecté par les valeurs extrêmes. Fait que s'il y a des très, très petites valeurs, la médiane ne sera pas affectée puisque c'est une mesure au niveau de la position de la donnée. L'exemple classique, c'est le salaire moyen au Québec. Si je vous parle du salaire moyen au Québec, donc c'est autour, là, je suis pas sûr de mes chiffres, d'habitude, ça tourne autour de 24 000 $. Ce n'est pas un très gros salaire, 24 000 $. On se dit, oh mon Dieu, la majorité des gens vivent super pauvres. Donc oui, mais oui, il y a des gens qui ont ce salaire-là. Mais il y a beaucoup de très, très petits salaires. Exemple, les étudiants, vous autres, vous sortez, je ne sais pas combien par année, là, entre, mettons, 2 000 et 8 000 $ si vous travaillez beaucoup, ce qui est un très, très petit salaire. Donc, vous autres, vous tirez la moyenne vers le bas. Plus tous les gens qui n'ont pas un temps plein, donc qui travaillent 2 jours par semaine parce qu'ils ont d'autres obligations, eux aussi, ils ont un très petit salaire et amènent la moyenne vers le bas. Donc, dans ce cas-là, vu qu'il y a des gens qui ont des très, 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 très petits salaires, eux, ils tirent beaucoup, beaucoup la moyenne vers le bas et c'est ce qui fait qu'on a un salaire de 24 000 $ en moyenne. Si on regarde le salaire médian au Québec, je ne suis pas sûr de mes chiffres, là, mais il est autour de 50 000 $ d'habitude, grosso modo. Ce qui représente beaucoup plus ce que les gens font quand ils travaillent. Si vous travaillez 5 jours par semaine, ben, c'est à peu près ce que vous allez faire là, au Québec. Dans ce cas-là, pour savoir le milieu de données, c'est plus pertinent d'aller chercher la médiane parce que justement, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui travaillent 5 jours par semaine. Si vous travaillez moins que 5 jours par semaine, c'est un peu bizarre de vous calculer. C'est pour ça que la moyenne ici n'est pas une très très bonne donnée. Même chose, le mode ne serait pas une bonne donnée parce qu'il y a tellement de données, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui gagne le même salaire au Québec. Exactement le même salaire à pièce près. Fait, encore une fois, le mode n'est pas aussi la meilleure donnée dans ce cas-là, c'est qu'il faut vraiment regarder la médiane. Donc, quand est-ce qu'on utilise la médiane? Quand il y a énormément de données et qu'il y a des valeurs qui sont très, très, très éloignées, comme dans l'exemple du très petit salaire, dans ce cas-là, la médiane devient meilleure que la moyenne à utiliser. Donc, grosso modo, quand on veut trouver la médiane, comme j'ai fait, premièrement, vous devez classer vos données
Dans un examen, je ne vais pas vous demander de classer des données, là. Je veux dire, je suis pas capable, là. Je sais que vous pouvez mettre des nombres du plus petit au plus grand. Je vais les mettre déjà ordonnés. Ensuite, on détermine la taille de la population. C'est pratique pour savoir en quelle partie vous devez diviser votre donnée. Excusez-moi, vos parties. Excusez-moi, j'ai comme eu un gros lag mental. Donc, par exemple, dans l'exemple ici, on avait 9. Si on divise 9, ça me donne 4,5. Ça veut dire que je dois diviser mon paquet, mes unités, en deux parties de 4 personnes. Donc, si on connaît la taille de l'échantillon, la population, quand vous trouvez la médiane, c'est toujours pratique. Si le nombre est impair, la donnée est directe. C'est directement la donnée qu'on avait là. Puis, si votre nombre de données est pair, si j'ai vu 10 employés, il y a une petite subtilité qui se rajoute. Pas vraiment tough, là, mais on va aller regarder ça au prochain exemple. Donc, les mesures de tendance centrale, on va prendre l'exemple de la distribution des nombres d'heures d'élèves qui travaillaient au cégep. Donc, ça, c'est le nombre d'heures moyen que travaillent les étudiants au cégep. Ça a été mis au hasard. Pour les besoins de la cause, j'ai changé un des 8 par un 9. Donc, je l'ai changé ici, sans faire une différence sur mon exemple. Donc, dans vos notes, si vous suivez avec vos notes, barrez un des 8, mettez 9, puis ça va régler le problème. Donc, j'ai ordonné les chiffres déjà pour nous autres parce que c'est ce qui est le plus facile. Donc, si ordonné comme ça, c'est déjà fait. Et là, je vais essayer de trouver ma médiane. Donc, si j'ai 30 données au total, je les divise en deux. Donc, je me ramasse avec deux paquets de 15 données. Donc, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, j'ai mes 15 données ici, comme ça. Puis, réciproquement, j'ai encore 15 données ici. Là, ce qui se passe, c'est qu'entre mes deux paquets de données, j'ai pas de données, parce que maintenant, j'en ai un nombre pair. Tantôt, quand j'avais un nombre impair de données, il restait une donnée au milieu, on prenait L comme médiane, puis c'était réglé. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de données? Ben, on prend la moyenne entre les deux. Vous faites 8 plus 9 divisé en 2. Ça vous donne, dans ce cas-ci, 8,5. Puis, on dit que la médiane, elle est égale à 8,5 heures. Voilà. Interprétation, c'est la même chose. Donc, 50% des étudiants travaillent moins que 8,5 heures par semaine. Là, c'est un peu drôle, hein, parce que notre médiane, c'est 8,5 heures, mais ça ne fait pas partie des données. C'est pas grave, on dit que le 8,5 sépare nos données en deux. C'est donc ce qui est choisi ici, parce que c'est la seule façon d'avoir une médiane. Donc, ça se peut que la médiane ne fasse pas partie de vos données. C'est tout à fait possible, et il n'y a pas de problème avec ça. Quand on a des données groupées comme ça ici, là, donc 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, c'est le même principe qui s'applique, il faut juste y aller avec une petite logique. Donc là, par exemple, je vous dis, là, c'est le nombre que les gens prennent de café par semaine pour 130 personnes. Donc j'ai 6 cafés, 6 personnes qui prennent un café, 9 personnes qui prennent deux cafés, 12 personnes qui prennent trois cafés, ainsi de suite. Dans ce cas-ci, si j'essaie de chercher ma médiane, ben, si j'ai 130 personnes, 130 personnes, si on divise en deux, ben, je me rends compte que qu'il me faut deux paquets de 65. Fait qu'on va additionner le monde jusqu'à temps qu'on arrive à 65. Donc 6 plus 9, 15. Plus 12, on arrive à 27. Plus 11, 38. Plus 16, 54. Plus 21, 75. Donc j'arrive ici à 75 données. Puis ici, j'étais à 54. Nous, on avait dit qu'il fallait des paquets de 65. Fait que grosso modo, votre 65 qui arrive quelque part dans les 6. On ne sait pas exactement où, mais on s'en fout. Puisqu'on a un nombre pair de données, on sait que notre médiane, elle va arriver entre 2 et 6. Donc, si ça arrive entre 2 et 6, qu'est-ce qu'on fait? Ben, faites la moyenne de 6 puis 6, puis ben, ça vous donne 6. Donc, grosso modo, votre médiane, elle est de 6 cafés dans ce cas-ci. Café. Avec un S, pas un E, hein? Voilà. Sauf que là, il y a une petite nuance qui vient s'interpréter. Parce que là, si on dit 6 cafés, 6 cafés, on arrête ici, n'est-ce pas, hein? Donc, si on prend 6 cafés, on arrête ici. Donc là, ce n'est pas vrai de dire que j'ai 50% des gens qui prennent 6 cafés. J'en ai bien plus que ça. On a vu que j'ai 75% des gens, en fait, qui vont prendre 6 cafés. Donc, quand on va interpréter la médiane, on ne peut pas dire 50%. Donc, la stratégie pour interpréter dans ce cas-là, il faut dire au moins 50% des
Jean. Des cafés de bus par semaine boivent. 6 cafés par semaine. Dans l'exemple, c'est le nombre de cafés bus. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est un café bus. On va dire un café. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, on ne peut pas dire exactement 50 parce qu'en réalité, quand on prend 6, là, on se rend bien compte que j'ai plus que 50% des gens qui prennent 6 cafés parce que quand j'inclus 6, on voit bien que c'est 75 qui est ici, là. Fait que dans ce cas, on ne peut pas juste dire, il faut mettre le au moins, sinon c'est pas vrai. On ne peut pas juste dire exactement 50. Fait qu'il y en a plus. Comment on s'en sort avec le au moins? Tout simplement. OK? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour trouver la médiane quand nos données sont sous forme de tableau? C'est vraiment pas compliqué. On va utiliser la colonne pourcentage cumulé. On s'en était jamais servi avant, mais c'est vraiment ici que c'est utilisé. C'est pour aller chercher ce qu'on appelle la médiane, donc le pourcentage cumulé. En fait, c'est pas compliqué. Là, c'est la somme de tout ce qui est avant. Fait qu'on va aller regarder dans notre pourcentage cumulé quand est-ce qu'on arrive à 50. Puis dès qu'on pogne 50, ça veut dire que notre médiane se trouve là-dedans. Donc, on va faire notre pourcentage cumulé. Le premier, c'est 8. Le deuxième, c'est 30. 30 plus 46, on arrive à 76. Donc, dans ce cas-ci, on voit que mon 50% il est atteint dans cette colonne-là, dans la colonne 2. Et on a 50, donc c'est un nombre pair de données. Donc, théoriquement, il faudrait faire la moyenne entre les deux. Là, ça ne fera pas grand-chose. Là, ça va encore nous donner 2. Mais on conclut ici que la médiane, elle est de 2. Et là, le contexte, c'est quoi? C'est que c'est 50 ménages selon le nombre de voitures possédées. Fait que c'est les ménages en fonction du nombre de voitures qu'ils ont. Donc, ça veut dire que ma médiane, ça serait 2 voitures. Pour interpréter, c'est la même logique qu'en haut. Si je prends ceux qui ont 2 voitures, ils n'ont pas 50% des gens, ils ont 76% des familles qui ont au moins 2 voitures. Donc, on ne peut pas dire exactement 50, il faut dire au moins 50% des ménages possèdent 2 voitures. Et c'est ma médiane quand on l'interprète. Maintenant, l'exemple qui est ici, c'est exactement le même exemple, sauf que j'ai changé un petit peu les chiffres. Il peut se passer quelque chose de weird dans les tableaux avec les pourcentages cumulés. C'est quand même très rare que ça arrive, mais j'ai quand même pas le choix d'en parler. Donc, même exemple, répartition des 50 ménages de Joliette selon le nombre de voitures possédées. Pourcentage cumulé, lui ici, on commence à 12. Si je les cumule, bang, 50, c'est réglé. Sauf que là, il faut faire attention, hein? Parce que là, je suis à exactement 50 et j'ai un nombre pair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ma liste, là, les 0, blablabla, 0, 0, 0, blablabla, 1, 1, 1, 1, blablabla, 2, 2, 2, 2, 2, 2 voitures. Là, les deux, ils arrêtent exactement à 50, puis après, on reprend à 3. Puis vu que c'est 50 pile patate, là, ça veut dire qu'ils arrêtent exactement entre les deux. Puis vu que c'est un nombre pair de données, ça veut dire que j'ai 50% de mes données là, puis j'ai exactement 50% de mes données là. Donc, si vous arrivez dans vos pourcentages cumulés à exactement 50 et que vous avez un nombre pair de données, ça veut dire que vous arrivez exactement entre les deux. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix de faire la moyenne. Donc, ma médiane, c'est 2,5 dans ce cas-là. Donc, ma médiane, c'est 2,5 chars des voitures. Puis là, c'est exactement 50% des gens. Fait que là, on peut revenir à l'interprétation qui commence là par 50% des ménages possèdent au moins 2 voitures à la maison. Alright? Maintenant, je vais enlever ça, je vais en parler après. J'ai dit efface. Qu'est-ce qui se passe quand on a des données groupées en classes? Donc, quand on a des données groupées en classes, on peut parler de ce qu'on appelle la classe médiane, ça veut dire la classe dans laquelle va se trouver la médiane, mais il y a aussi une façon d'aller calculer une médiane vraiment pile patate, aller en calculer une valeur, donc aller faire un calcul pour aller chercher c'est quoi la médiane dans la classe. On va faire les deux. Le deuxième exemple est un peu plus complexe, c'est lui que je vous parlais au début du cours. Trouver la classe médiane, c'est bien niaiseux. Avant de faire l'exemple, par exemple, là, juste petite erreur de l'auteur, là. Regardez les bornes ici, l'effet de 0 à 14, de 14 à 19, de 20 à 24. Tout va bien, là, mais 14, on ne sait pas où le mettre. Fait que probablement que l'auteur aurait dû partir de 0 à 13.
qu'il y a une petite faute dans le tableau, là, c'est la faute de la personne qui écrit les notes. Donc 0 à 13, 15 à 14 à 19. Ça aide pas à la compréhension de l'exemple, c'est juste qu'il y a une petite chose pas correcte dans notre tableau ici. Donc grosso modo, pour avoir la classe médiane, c'est le même principe. On additionne le pourcentage cumulé jusqu'à temps qu'on arrive à 50. Puis dès qu'on a dépassé notre 50, ben c'est lui la classe médiane. Donc la classe médiane, c'est quoi? C'est de 20 à 44 ans. Et c'est ça ici qui est ma médiane, ma classe médiane. Comment on l'interprète? Ben, au moins 50% des gens, en fait, au moins 50% des Québécois et des Québécoises ont entre ont moins que 44 ans. Donc, au moins 50% des gens ont moins que 44 ans, donc sont dans la partie qui est ici. Alright? Maintenant, ça, c'est ce qu'il faut faire pour aller calculer une médiane tout de suite. Ça ne sert à rien que je le lise là, parce que ça, vous n'allez pas comprendre. Je vais faire un exemple et après, je vais aller le relire avec vous pour aller identifier tout ce que j'ai fait. Donc ici, j'ai la répartition de 45 entreprises selon les dépenses salariales. Donc grosso modo, comment les entreprises dépensent en argent. Dans ce cas-ci, je vais aller vous montrer comment qu'on peut faire pour calculer une médiane exactement. Donc pas juste donner une classe médiane, mais aller vraiment chercher une médiane, une valeur, là, pile patate, aller en calculer une. Première étape, ce qu'il faut faire, il faut commencer par aller savoir dans quelle classe va se trouver la médiane. Grosso modo, il faut aller chercher la classe médiane. Donc, on va faire les pourcentages cumulés, mais les pourcentages cumulés pour le graphique. Les valeurs aussi au-dessus, là, ça, c'est les pourcentages cumulés. C'est pas les pourcentages cumulés, c'est les pourcentages. Et on va les additionner pour savoir où arrive ma médiane. Donc, ici, j'ai 5,4. Dans les deux données qui sont là, si je fais 5,4 plus 9,5, j'arrive à 14,9. Je ne suis pas encore à 50%, je continue à additionner. Je rajoute 18,7 à mon 14,9, je me ramasse avec 33,6. Je ne suis pas encore à 50%, je continue à rajouter mon 32,5. Et là, j'arrive au total à 66,1. Donc, 66,1. Clairement, ici, je dépasse mon 50%. Or, ma médiane va se trouver ici. Or, ma classe médiane, c'est de 485 à 495. Et puisque j'ai dépassé les 50% dans cette classe-là, la médiane va se trouver quelque part entre les deux. On ne sait pas où. Mettons que je la mets à peu près ici, là. On va essayer d'aller la calculer. Donc, ma médiane, elle est ici. C'est ici que j'ai mon 50% là, qui sépare mon graphique en deux. OK, parfait. Je vais me demander, c'est quoi la distance qui est ici? Si je suis capable d'aller trouver la distance qui est ici, par exemple, c'est 4, ben, j'ai juste à rajouter 4 à mon 485, 489, je vais avoir trouvé ma médiane. La question, c'est comment faire pour aller chercher la distance ici? On va aller chercher la distance, mais en pourcentage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais que ma médiane, elle est à 50 % et je sais que la donnée qui est ici, là, elle est à 33,6 %. Ça veut dire, c'est mon pourcentage cumulé là, au bout, là, je suis à 33,6 ici, là, à 33,6 % de tout le monde. Ma médiane, elle est à 50. Fait que ma distance ici en pourcentage, c'est quoi? Ma distance en pourcentage, c'est la différence entre ces deux données-là qui va me donner 16,4 %. OK. Donc ça ici, c'est ma distance, mais au lieu d'être une distance en nombre absolu, là, avec de l'argent, c'est ma distance qui est en pourcentage. Là, ce que je vais faire, je vais vouloir la convertir en cash, là, en la même mesure que l'axe des X. Fait que ça mesure 16,4 %. Et ma classe au complet, elle vaut pour 32,5 %. Fait que mon 16,4 %, ça correspond à combien de mon 32,5 %? Et pour savoir ça, vous avez juste besoin de les diviser. Donc, 16,4 % divisé par 32,5 %, ça vous dit, c'est quoi la grosseur de la longueur ici par rapport à la longueur totale de votre classe en pourcentage. Donc, en divisant les deux, donc 16,4 % divisé par 32,5 %, j'ai fait le calcul d'avance à côté pour ne pas avoir à le faire, ça me donne environ 0,505. Fait à peu près quoi? À peu près 50 %, grosso modo. À peu près 50,5 %. Donc, ça veut dire que 50,5 %,
Vous arrivez, grosso modo, si votre donnée au complet c'est 100%, vous arrivez à peu près au milieu. Donc, pour avoir la distance ici, mais pas en pourcentage, pour l'avoir en nombre absolu, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre votre 5,05 et à le multiplier par la longueur de votre classe. Et la longueur de votre classe, pas en pourcentage, mais la longueur de votre classe ici, elle est de 10 pour 10 milliers d'unités. Votre 5,05, vous le multipliez par 10 et vous arrivez à 5,05. Donc la longueur qui est ici, là, le ça, là, c'est 5,05. Et ça, vous le rajoutez à votre 485 plus 5,05 et vous arrivez à 490,5. Et ça, c'est votre médiane. Donc 490,5. Et ce sont des milliers de dollars. Je vais répéter parce que peut-être que je vous ai perdu. Je vais répéter, mais avec mon tableau en haut. Et qu'est-ce que j'ai fait, grosso modo? Au début, ça va. Vous devez déterminer la classe où se situe la médiane. Fait que c'est pas compliqué. Vous prenez votre tableau, puis vous additionnez vos pourcentages jusqu'à temps que vous dépassez votre 50. Comme j'ai fait ici, donc on avait obtenu qu'on arrivait dans la classe 485 à 495. Ça va. Maintenant, on cherche la longueur qui est ici. Au début, on commence à la chercher, mais en pourcentage, parce qu'en pourcentage, c'est facile. Nous, la médiane, on sait que c'est à 50%. Puis on sait que lui, à 485, je suis à 33,6% de mes données. Donc, dans la classe qui est ici, ma longueur en pourcentage, elle est de 16,4%. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. Il faut déterminer l'aire à aller chercher dans la classe médiane. L'aire à aller chercher dans la classe médiane, c'est ça qui est ici en pourcentage. Je vais aller chercher 16,4% de ma classe médiane. Maintenant, il faut effectuer une règle de 3 pour aller chercher la largeur de la classe cherchée. C'est ça que j'ai fait ici. Je me suis dit, ça vaut 16,4%, mais de la classe totale ici, qui elle en vaut 32,5. Fait que c'est 16%, mais relativement à 32. Donc, qu'est-ce que je fais? Je divise 16,4 par 32 et ça me dit la proportion dans cette classe-là où doit se trouver ma médiane. J'arrive à 5,03. 5,03, c'est 0,5, c'est à peu près une demi. Donc, grosso modo, il dit à peu près au milieu. Donc, 0,5% de la longueur de 0,5, 50% de la longueur de ça, ça équivaut à où devrait se trouver ma médiane. Fait après, je prends cette longueur-là, je la multiplie par la longueur de ma médiane qui est 10. Ça me donne 10 fois 0,505, ça me donne 5,05. Ça, c'est la longueur de ce qui est ici. Puis je le rajoute à mon 485 et j'arrive ici comme valeur de ma médiane. Alright? Si vous n'avez pas compris ce qui est fort possible, n'hésitez pas à réécouter la vidéo. C'est pas si compliqué, mais c'est pas si facile. Moi, ce que je peux vous promettre, c'est qu'à l'examen, je vais en mettre un dans ce style-là, calculer une médiane à partir des données regroupées en classe. Je vais en poser une dans ce style-là. Fait que pratiquez-les, c'est important de bien comprendre ça. Sinon, ça termine le cours. Donc, vous avez terminé votre cours, allez faire vos exercices, essayez de calculer mode moyenne, ça va bien. La médiane, un petit peu plus compliqué pour le dernier exemple, sinon c'est assez facile la médiane, c'est peut-être juste le dernier exemple qui complexifie un petit peu les choses. Donc pratiquez vos exercices. On va pratiquer ça dans le laboratoire Excel, moyenne médiane qui s'en vient dans quelques cours, là. Donc on en reparlera dans le laboratoire Excel. Je ferai une vidéo pour vous parler de ça. Sinon, exercice, puis si on se reparle dans une prochaine vidéo. Enfin, je vous dis bonne étude et à la prochaine.